Bien, eh bien, bonjour. Théoriquement, ça doit fonctionner côté son, côté image aussi. On part pour quelques heures de Lego Star Wars Castaways. Nous sommes le 30 octobre 2023, il est 19h40, à 22h c'est dodo. Donc, l'objectif du jour, c'est de faire les missions quotidiennes en attente et puis les missions hebdomadaires qui ont été rajoutées depuis la dernière fois qu'on a joué. J'ai encore perdu le son en route. Hop, baisser un petit peu de mon côté. Normalement, chez vous, ça doit fonctionner correctement. Alors, je suis toujours avec la même sauvegarde, ok. Un jour, il faudra que je comprenne pourquoi ils veulent absolument qu'on écrase une sauvegarde par une autre alors que c'est la même chose. A priori. C'est parti. Alors, allons-y. Mission quotidienne. 10 chasseurs TIE dans les holosims. Ok, avec un intercepteur TIE. Aller sur la vague 5 en nageant sur une survie de l'hippodrome. Et 15 stormtroopers dans les holosims. J'ai eu raison de dire qu'on allait casser du stormtrooper. C'est clairement ce qui va se passer. Allez, hop. Alors, quand je dis ça, c'est ce que j'ai dit sur Twitter et Mastodon. Ici, donc par les RST 29, 5 Stormtroopers dans le holosim. Il m'en faut 15, donc ça va aller. La course, on peut rêver. Participer à un match de survie dans la survie au spatioport. Ok. Bon, bah, je vais commencer par ça. Allons parler à RST 29, ça va déclencher d'autres trucs. Derrière. On va accélérer un peu les choses sur ce côté. Notez que j'ai changé de petit vaisseau pour me déplacer dans la base. Puisqu'en fait j'en ai récupéré d'autres. Le bouton. Et celui-ci. Oh. Non, pas Game Center. On ressort de là. Hop. Ah mince. Game Center. Hop. Tac, tac, tac. Moi, j'ai quelques vaisseaux en plus. Enfin, là, j'ai fait les récoltes. Hein. De toute façon, quand on arrive à un certain nombre de points, enfin de pièces, de monnaie dans le truc de Databits, il faut les dépenser parce que de toute façon, on ne peut pas dépasser une certaine somme. Donc, autant les utiliser. Du coup, j'ai pris plein de trucs. Enfin, tout ce qui traîne au fur et à mesure, plus ceux qu'on gagne, hein, évidemment. Et du coup, bah, là, j'avais essayé un petit peu l'étoile de la mort en version Noël. C'est un peu rigolo. Mieux que la grise, hein, parce que là, c'est mieux coloré comme ça, mais pas sûr qu'il y ait beaucoup de fans dans la nature. Et celui-ci, avec pas d'autres modèles, en fait. Donc, je me suis dit que c'était sympa. Il accélère bien sur les déplacements. De toute façon, c'est que pour accélérer un petit peu, parce que le personnage qui court, c'est un peu lassant. Il prend trop de temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous vaut? Un Delta 7, ça ressemble à quoi celui-là? Ok, bon le classique, hein. Un Delta 7, qu'est-ce que ça peut être? Alors, hop là, parler à machin, donc deux briques, peu importe lesquelles, est-ce qu'il y en a qui traînent ici? Ce serait trop facile, hop, allons faire un petit tour dehors. Youhou! Voilà, ah, le point de photo est là, tiens. Une petite photo? Oui, par contre j'ai plus de son. Voilà. Donc, photo qu'on va sauvegarder. Le partage ne fonctionne pas. Donc, toujours pas réussi à les récupérer en individu de briques. Donc, peu importe, on va récupérer une là. Toujours pas réussi à les récupérer depuis le jeu vidéo vers l'ordinateur. Donc, tant pis, on n'aura pas mes plus beaux sourires. Ou plutôt les plus beaux sourires de Trima Alteru. En dehors du jeu vidéo. Hop là, et de une. Il a quand même réussi à faire un morceau. Allons voir la suite. Hop là. Ah, évidemment, là, je peux pas tomber. Hein. Je peux pas sauter dans la neige. Ah, c'est celui-là.
Et je me trompe de bouton, allons récupérer là-bas qui prend l'eau. Là, c'est les missions faciles au moins. On entorche 2-3, c'est réglé, on a des points en plus. Et après, on passe vraiment à la bataille. Mais là, selon ce qu'il me demande, je vais peut-être aller chercher casser du TIE. Alors, hop. Ben voilà. Do le signe de véhicule, c'est parti. Pour ceux qui chercheraient des vaisseaux, hein, c'est ici. On a la boutique auprès de Laxtorios, qui nous propose un petit peu tout ce qui existe dans la gamme. Alors, en l'occurrence, j'ai déjà vidé mon compte de points, donc j'en ai plein que je peux plus prendre. Et sur certains, on a des déclinaisons, donc celui-là, par exemple, on peut l'avoir en blanc. Si on veut. Donc, je disais, hop, du TIE, pour casser du TIE. Hop là. C'est parti. Je me mets confortablement dans le siège. Ouais, allez, étoile de la mort, et on a dit TIE pour casser du TIE. Alors, il est hyper pas pratique, celui-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils perdent autant de batailles. Leurs chasseurs sont moches. Pas véloce, pas efficace. Une calamité. Oh, quand même. Étonnant. Alors le A, c'était les loopings. Bon, ça sert à rien, je le chope. Ah! J'ai oublié d'aller récupérer des bonus éventuels, moi. Oui, là, ça sert à rien. Bon, pour l'instant, ça va. Par canardie, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, là j'ai utilisé. Ah non, j'ai utilisé bien. On va essayer de choper celui-là. Non, regardez pas le bon vaisseau. Là. Oui, juste avant de se péter la gueule. Ah. J'en aurais donc perdu deux.
Ouais, bon. On est perdu 2 ou 3 là. Pas bon. Pas bon du tout. Truc louche, hop. Dit TIE dans les Holocene véhicules avec un intercepteur TIE. J'ai pris le chasseur et pas l'intercepteur, donc forcément. Faisons l'autre. Allez, donc pas le chasseur, mais l'intercepteur. Lui, il est un peu mieux. Alors le A c'est le ping, le B ce sont les missiles, c'est beau. Un missile là, mais apparemment ceux-là ils le tirent quand on passe, contrairement à d'autres qui le tirent en tous les sens. Pendant le missile n'est pas de chercheuse, là c'est pas le cas. Ah. Un peu plus malléable. Hop, dommage. Ouais, bon, ok. Je crois que j'ai eu là. Ce qui me dérange, c'est qu'on peut pas, diriger le truc, on n'est pas sur la vraie 3D. C'est lui qui nous en donne. Il nous contraint sur la direction, c'est un peu bon point. Là, j'ai un peu cherché quoi. Bon, normalement, j'ai deux missions accomplies. Fastidieusement, mais quand même. Alors, donc ça, oui, une quotidienne. Une hebdo. Deux briques jaunes, ok. 5 stormtroopers. Ça va pas changer. Ok.
Normalement, c'est tout. Hop là. Voilà. Donc on va utiliser le bonus d'accélération. Hyper pratique. Et je vais faire de l'holosim. Hop. Sauf si je croise une brique jaune au passage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, Stormtrooper. Pardon, c'est celui-là. C'est parti, les Stormtroopers, on en trouve quand même beaucoup plus côté base d'écho. On passe en public, je reste dans mon mode actuel. Ah, salut Sylvain, merci pour le sub. Je suppose que tu seras là demain matin. Donc demain matin, je continue sur le projet pour la gestion des vidéos. Et puis, normalement, mercredi, pareil, matin 10h. Petit peu de Delphi et l'après-midi je tente de jouer un petit peu avec Quartex Pascal. Alors j'avais regardé un petit peu quand les premières versions que j'ai eues et là j'ai récupéré la dernière en date, donc on fera une petite découverte de cet environnement en Pascal pour faire des sites web côté client et serveur. Je t'ai suivi en continu sur demain. Hein. Ouais, ça marche. Je sais pas sur quoi notre ami S17N va se mettre. J'arrive à savoir à quoi ça correspond son truc. Mais mes graphiques cartes sur DeckJS, j'ai craqué. Et c'est trop l'usine à gaz, je trouve, ce truc. Je sais pas, c'est. Voilà. Hop, on casse le truc. Non mais. Oh. Voilà, hein? Bah. On va les pattes. Au revoir. Ça m'éclate cette bombe. Pour le côté immortel aussi, ça va être pratique. On peut faire des cascades sans se péter la figure. Et ça, c'est génial. C'est génial. Hop là. Juste ça pour le fun. Alors, on disait. J'étais content, mais c'est vrai que sur les outils. Qu'il utilise, il sert. Les rêves. Je comprends pas la phrase. Vu la rêve. Ah oui, d'accord, oui, Vue.js, c'est la Ravel. Oui. Pardon. Oui, puis là, il était sur du React et Next. Donc ça. De toute façon, je trouve que c'est tous ces frameworks-là, ça peut être pratique, mais c'est quand même globalement des usines à gaz. Et j'ai toujours un peu de mal là, à m'y mettre. Et bon, c'est aussi parce que je suis habitué à des outils plus carrés qui font des trucs propres. Enfin, qui sont censés permettre de faire des trucs propres. Dont Delphi, et que c'est quand même une autre façon de programmer les choses.
Bon, allons faire ce que tu étais parti pour faire. Boum. Je suis à zéro là, Stormtrooper. Ah ouais, on est sur les Snowtroopers là. D'accord. Mauvais choix finalement. Oh. Et c'est vrai que ce côté-là, du coup, Quartex peut avoir un gros intérêt parce que ça reste du Pascal. Enfin, pour ceux qui ont envie de faire d'autres langages. Bon, il y aura une version open source, enfin une version gratuite à un moment ou à un autre. Pour l'instant, elle est disponible que sur Patreon. Et l'environnement ressemble à du Delphi pour la programmation. Enfin, c'est un environnement où on dessine nos écrans. On fait le code en Pascal qui se génère en JavaScript côté client et serveur. Et pas comme le fait TMS Software avec, avec TMS Webcore, mais en pur fait pour en fait. Et pas de, enfin, c'est de la conversion de Pascal à JavaScript, hein, toujours. Oui, c'est ça. Je parlais, mais ce serait bien que je bute du méchant. Mais, pas de la transcription de trucs classiques. Enfin, on va dire que c'est un framework qui a été fait pour ça et c'est pas des composants qui sont censés fonctionner aussi sur Windows et autre chose. C'est vraiment des modules web purs. Donc ça peut être intéressant à voir. Dans le fonctionnement. On verra ça mercredi. Hop. Si j'arrive à en tirer quelque chose, évidemment. Au pire, on se fera une petite vidéo de comment ça marche. Bah, mais qu'est-ce que je fous? Donc ça. Je suis en train de regarder trois choses à la fois. Cela peut m'intéresser. Et toujours côté coût. Bah en fait, pour l'instant, il est disponible en tant que Patreon. Pour avoir accès à la version, il faut être sur le niveau à 30 euros par mois. Enfin, en gros, c'est le niveau aussi qui permettra de l'utiliser à titre commercial. Mais bon, usage gratuit, il sera dispo quand une version 1 sera disponible. Ce sera dispo en gratuit tout court. En tant que community, pour l'usage professionnel, il faudra quand même payer 300 euros, soit sous forme de Patreon en plusieurs mois, soit d'un coup. C'est comme ça qu'il a prévu la licence. Globalement, c'est pas très cher, hein, ça fonctionne bien, et enfin, pour ce que j'ai pu voir. Et vu qu'il s'est amusé à faire tourner des jeux vidéo de Amiga dessus, disons que il a fait un beau boulot côté JavaScript. On a de la 3D, on a plein de trucs dedans et. Ah tiens, ça a cassé aussi celui-là. Je savais pas qui cassait de ce côté. Youp là. Donc effectivement, Cortex, un bon plan. Enfin, si tu veux regarder, il y a quelques vidéos qui traînent sur YouTube. Il a fait plusieurs présentations lors des précédentes conférences en Barcadero et puis en externe. Hop, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est pas ça que je voulais faire. En train de me mélanger sur les gâchettes du truc là. C'est n'importe quoi. Là je le fais mais ça sert à rien puisque de toute façon je peux pas choper le truc qui est sur l'aile. Il faut être un Jedi pour y arriver. Hop. Bon allez hop, fin du niveau.
un seul. Je me fous de ma gueule. Alors, qu'est-ce que t'as? Hop. Ah, j'ai fini un défi. Pas celui-là, c'est celui-là. 2000 ennemis corrompus. Ah, j'ai atteint les 2000 ennemis. Bien. Heureusement que le karma n'est pas censé prendre en compte les jeux vidéo quand on tue des gens. On a dit, si les Stormtroopers sont pas là-dedans, où c'est qu'il y a des Stormtroopers? Sur Tantine? Andorre, c'était les troopers de... je sais plus comment ils les appelaient. Donc si c'est pas là, ce sera... Ou la station d'arrimage, tiens. Ouais, peut-être sur la station d'arrimage. Une légion de Stormtroopers, oui, allez, hop. Allons-y pour celle-ci. Ouais, goût. Caille un peu ce soir. Les trucs en coop où je suis seul, c'est un peu dommage. Alors, hop. Et au moins. Voilà. Non, c'est tout, c'est bon, au revoir. Bon, allez, détruisons les barrières. Juste pour le fun, ça fait des points en plus. Ces deux-là, j'aurais bien aimé les exploser un jour. Mais je sais pas comment leur envoyer un truc. Ah, mais non! Faut pas la suivre, la bombe. Dis donc. Pécasse. C'est celui-là. Hop, 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 hop. Orientation. C'est rail bouton. Et hop. Non, bah non, je peux la faire exploser à l'extérieur. Ça n'explose point. Tant pis. Là, j'ai pas besoin. Ça, c'est bon. Voilà, c'est les Stormtroopers. Hop là, récoltons tout ça. Alors, coordination. Ça c'est toujours plus marrant à deux parce que ça évite. Et je vais péter les fauteuils pour le fun. Voilà. Mon côté rebelle. Qui casse le matériel de l'Empire. Le mur. Là, il n'y avait rien. Là, c'est bon. Là, il y a des méchants. Et récupérons ça. Qu'est-ce que ça m'éclate de faire vraiment ça en Lego?
Peut-être plus qu'un titre hein, d'ailleurs. Et hop là. Et ces trois-là, on s'en occupe. Mais, t'as venu là, toi? Voilà, hein? Bon. Pas moufeté non plus. Admirer la vue de l'espace. Bon après, je commence à les connaître un peu par cœur, les niveaux, là. Oui, si je prenais l'escalier, ce sera mieux. Yep. Mais ça n'empêche pas de louper l'escalier. Alors, hop, hop. D'une munition pour rien. Yep là, yep là, yep là. Y. On en est où? 2 sur 2. Il m'en reste qu'un, 5 à buter. On va s'en occuper. Besoin du nettoyage. Il n'y avait que ça. Ce serait bien qu'il me faut des stormtroopers pour changer. Pourquoi j'en ai pas? Oui, oh oui. Vous glissez, vous tombez, c'est pas grave. Allez, quelques-uns là. Ils veulent que je reste 3 heures pour en choper 5. Je crois que j'ai fait tout le tour. C'est ballot. Bon. Plus de méchant.
Je les ai tous fait fuir. Ah, voilà. J'ai mon quota. J'ai mon quota. Hurra. Ici, c'est bon. Je peux sortir. Notez le bug du jour en Star Wars, Dark Vador. Je n'ai pas un bug pour chaque jeu, heureusement. On va prendre un peu de place. Puis ça coûterait une fortune. Si à chaque jeu téléchargé, il nous fournissait un bug. Je dis pas le coût écologique des jeux vidéo, tiens. Hop. Un de ces quatre, je crois que je vois si d'autres personnes que je connais jouent à ce jeu-là, parce qu'on peut faire des parties à plusieurs en mode coopératif. Vaccin en tant qu'agent, d'accord. Tac, 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 ça c'est bon. 25 objets, ouais. Survie au spatioport, bah c'est bien ça. Allez hop, petit mode survie. En tant qu'agent, il faut que je change de classe. Hop là. Je suis déjà un agent? Ah bah c'est. Oui, c'est l'autre, oui. Autant pour moi. C'était l'autre truc. C'était en soutien. Où je suis encore au niveau 1 parce que j'ai jamais joué. Jamais assez joué. Je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir absolument porter un casque. Entre Vador et les Stormtroopers, ça. Il y a beaucoup de joueurs qui portent ces trucs-là. En tant que rebelle, ça me gênerait d'être en civil avec des trucs de l'ennemi. Je vais être trop coincé, ou c'est un truc générationnel, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez les joueurs, allez les joueurs. Donc là, je soupçonne que ces trucs-là, en côté technique, hein, puisque on reste pas moins développeur, il y a des changements de serveur en fait. Que chaque map soit chaque jeu est géré sur une série de serveurs particuliers. Et voilà. Hop, et que les changements qu'on a avec les attentes, là, c'est pour synchroniser les différents joueurs sur les serveurs en question. Donc pour qu'ils ouvrent une session. C'est une connerie comme ça. Enfin, ça donne quelques idées, d'une manière générale. Alors, ils arrivent d'où? D'en bas. Ça va plus? Il est plus méchant. Ok. Je suis avec deux bourrins efficaces. C'est bien. Content. On va aller loin. On va se faire buter par un rancor au niveau 5 ou 7. J'ai monté au niveau 7 tout seul. Ou 8, je sais plus trop. La dernière fois que j'ai joué. Mais non, c'est pas lui qui fait des tirs. Et à un moment, contre 50 ennemis à la fois, ça devient injouable. Enfin, surtout quand on est en. Quand on n'a plus aucune munition ni quoi que ce soit. Plus de points de vie, plus rien. Un peu trop galère. Tout seul. Hop, hop. Alors eux ils sont d'autant avec comment on dit projectile, voilà, hop, hop, et puis ils apparaissent n'importe où, mais ça c'est pas du jeu. Mais le bonus
avance rapide là, enfin, la course au lieu de marche est quand même génial. Hein. Je crois que sans ça, on mourrait beaucoup plus facilement ici. Notamment là où on va pas tarder à avoir un rencor. C'est à peu près à ce niveau-là qui nous les met. Alors c'est là où normalement en général j'utilise des bombes. Ah bah il est là le rencor. Hop. Me disais bien qu'il y avait un truc de grosse taille qui allait nous tomber dessus. Pas trop mal finalement, c'est louche, ils vont trop en fonçant dans le tas là je crois. C'est où le Java? Ouais. On entend le côté course rapide bloque un peu par contre. C'est un peu dommage. Hop, allez, on y va, ils sont en bas. T'as sauté ou pas? Non. Ok. Voilà, j'ai mouru. J'ai mouru. Bon, j'espère que les autres vont arriver à s'en sortir au moins pendant 40 secondes. Enfin, les autres, le autre, s'il n'y en a plus qu'un. Le temps de réapparaître. Allez, allez, allez. C'est là où c'est frustrant de les voir. Continuer leur vie. Heureusement, lui, il sait qu'il faut c'est éviter les autres. Donc, il veut pas tenter en solo, c'est bien. Enfin, presque. Il va se faire avoir aussi. Oui, alors, hop. Voilà.
Ouais, on l'a eu. Ouf. Punaise. Ça fait compliqué. Par contre, j'ai plus de bombes. J'espère juste que mes coéquipiers sont plus dans le chantier quand j'explose le truc, mais... Alors, en l'occurrence, il y en avait un. Désolé, camarade. Il va falloir que je récupère de l'énergie. Il n'y en a plus. Bon bah. Alors. Ils m'ont pas laissé d'énergie, ça c'est vache. Ah, oui, d'accord, ça s'est explosé après. Là. Non. Ouais, j'ai plus le bonus d'accélération de vie, ouais. Ah, d'accélération des mouvements, et lui, il est foutu aussi. On a perdu. On a perdu. Tant pis. Vague 14, c'est déjà pas mal. Non. Pom pom pom. Ouais, logique. Le côté explosif est quand même pratique pour buter plein de... pour gagner des points en fait. Donc je pense que j'ai atteint, voilà, une mission. Hop. Alors, quotidienne, attaque agent. C'est fait. Ok, donc j'ai fini l'émission du jour. Ensuite, non, pas tout de suite, merci. Participer à un match de survie, oui. C'est un combattant dans l'hippodrome. Alors on est toujours là-dessus, oui. Ça c'est bon, et là...
Donc, non, survie, non. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, les briques jaunes, ok. Les 25 objets, oui, les 20. Oh, même pas une heure pour arriver là. Non, je ne vais pas refaire de survie. 25 objets dans les holosims. Ça va être fastoche. La course, j'y arrive toujours pas. Toujours pas, merci. Les combattants, alors ça, c'est le truc qui traîne de la semaine dernière. Oh, que ça m'énerve, ils ont un bug depuis quelques jours, en fait, ils partent en boucle pour les demandes de... les invitations. Et on peut pas s'en débarrasser. Alors, des objets jaunes. Voyons voir si je trouve des briques jaunes. Pour avancer sur la partie RST29. Non. Et non. Faudra qu'il corrige ce bug, un de ces quatre. Alors c'est le même groupe hein, qui me demande en boucle. Le pire c'est que ça se produit n'importe où. Quel cauchemar ce truc. Si quelqu'un peut en faire un clip, ça m'arrangerait. Ça me permettra de faire un signalement à Gameloft là parce que ça me gonfle. Le pire c'est qu'elles s'empilent, hein. Donc techniquement ils peuvent le gérer ce truc. Ça y est, fini. Bon. Ça fera avancer. Alors, briques jaunes, ici il n'y en a pas. Ok, on passe à la suite. Hop là. Du bleu, du rouge. Hop. Ici, est-ce qu'il y en a quelques-unes? Oh, personne n'en a récupéré, tant pis. Allons faire un petit tour par terre. Enfin, au niveau du sol. Plutôt de l'eau. Voilà. Des briques jaunes, il veut des briques jaunes, on va lui donner des briques jaunes. Heureusement qu'il y a plein de carcasses de vaisseaux partout qui se décomposent. Boum 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 boum. Puis après, on va faire un petit peu de castagne. Juste pour le fun. Youp là! Voir s'il y a des gens sur le dans l'hippodrome pour les combats. Enfin, le côté Battle Royale de ce jeu-là. Ce que je voulais faire, c'était Y. J'ai vraiment du mal avec la télécommande en ce moment. Alors, ça c'est bon. C'est bon. Encore lui parler. Coucou, t'en es où? Oui, je sais, tu es faible, tu ne peux que répondre aux demandes. Oui. Alors, Mos Eisley. Allons faire un petit tour à Mos Eisley, comme ça je vais en profiter pour casser des trucs. Mos Eisley, allons-y par là. On va promener un petit peu sur la flotte. Ou sur Terre. Tiens. Alors par contre. Le bonus de tout à l'heure ayant expiré. Non, j'ai besoin de databits. Autant accélérer la récupération des databits. Alors, hop. Donc les trucs on explose hein, pour les récupérer plus facilement. Voilà. Tant pis si je cours moins vite. Enfin, au rythme normal, mais. Allons faire un tour à Mos Eisley. Hop là. Donc là, je suis en train de balancer des demandes en boucle chez les autres, histoire de ne pas être le seul à être emmerdé. Salut, Idress. Merci pour le follow. Normalement, on doit être à 400. Ils m'ont des comptes et juste. A priori. C'est bien, c'est bien. On va atteindre les 500 qui est mon objectif du moment de la fin de l'année. C'est marrant. Ce serait marrant.
Alors par contre, je fais pas que des jeux, hein. Je fais aussi du codage, notamment le matin, comme demain et après-demain. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon planning. Alors je sais plus si j'avais rajouté une commande pour ça. Je crois pas avoir fait de commande planning sur Twitch. Ah, je fasse ça, tiens, avec les autres. Ah oui, il faut que je casse des trucs. Oui. Autant casser des trucs, puisqu'il paraît qu'il faut que je casse des trucs. Et là, on va le faire proprement. Déplacer le truc proprement. Juste pour le fun. Voilà. T'es là. Voilà. Hop là. Oui, alors sauf que l'interrupteur, il faut le choper de l'autre côté, donc j'ai pas le choix. Alors quand on est deux, on peut passer par là et le faire à la main. Et essayer de tirer dans l'interrupteur qui est là, depuis l'extérieur. On peut le faire. Hop là, hop là. Bon, je triche, hein, avec les bombes, c'est quand même plus facile. Hop, donc, une munition. Des petits cœurs. Et détruire ce truc. Alors, passons par là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il est disponible sur Apple Arcade. Il doit y en avoir plein d'autres. Ailleurs. Bon, c'est sûr que ça change un petit peu de Harry Potter.
Oh. Il y avait un bloc de databit à cet endroit-là normalement. Alors toi t'es caché là. Bon, il veut pas avancer, tant pis, hein. On va exploser loin. Bon, je fais le tour juste pour admirer le bar, hein. Quand même des gens qui sont tranquillement en train de danser et de boire à l'intérieur, hein. Bon, c'est assez lamentable. Les sauvages. Comment ça, je refuse le combat? Je peux pas les avoir avant. Et toi, tu veux pas t'approcher? Non, non, t'es trop. Dommage. Dommage. Bon. Alors lui, ah bah, il a. C'est vrai que le bonus me permet d'éviter de traverser ces trucs-là. Donc, hop. Oula. Oui, j'ai Vador quand même, hein. Attention. Petit tour. Est-ce qu'il me restait quelque chose à faire là-dessus? Non. Non.
Alors, moi c'est se laisser fait, 25 objets c'est fait. Alors, donc ça n'a pour le sim, ok, et donc récupérer des briques avec un arrondi, quelle que soit la couleur. On va se faire ça en secouant les arbres. Mais avant, une petite danse. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un podium. Faut profiter. Hop. Et... Bon, pour secouer les arbres, il faudrait peut-être en trouver un. Hein. Non. Ben voilà, coucou. Bon, j'étais trop loin, tant pis. Ben voilà. C'est exceptionnellement facile aujourd'hui. Hop. La récolte de pièces. Sauf que je suis pas le seul à les avoir, mais... J'aimerais bien savoir si on a tous le même vaisseau, en fait, en cours de fabrication. Et donc les mêmes demandes. On peut les transporter maintenant? Oh, ça a changé. Bien, 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 bien. Ça serait bien. Oui, on peut les transporter en volant. Ah, ça, c'est génial, parce que depuis le temps, c'était hyper gonflant sur les... Alors, deux briques carrées, ok, il n'y en avait pas d'autres. Hup, là. Il y en avait... Non, il n'y en avait pas. Ok, bon, on va en chercher. Allez faire un petit peu de pêche. Non plus. Oh. Il n'y en a pas? Non. Tu veux vraiment les deux là? Alors, pécho. Dans le ramassis de chasseur X ou TIE, faut bien avoir un truc carré qui traîne. Merci. Station d'arrimage à deux. Oh oui. Pour le fun.
Bah bon, en attendant, hein, à la vôtre. Pensez à boire de l'eau et puis clignez des yeux quand vous êtes devant l'ordinateur, hein. Votre console, votre télé. Toujours s'hydrater. Et faire des exercices pour les mains aussi au passage. Pose des talons à chaque fois celui-là. Alors, salut les gars, qu'est-ce qu'on fait? On casse tout? Qui est le boss? C'est lui, alors je le suis. Les munitions de même, c'est fini là. Allez, 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 hop. Je me venge sur les sièges parce que j'ai toujours pas changé le mien. Il va vraiment falloir que je m'en occupe. Hop là. Est-ce qu'on passe où à droite? Hop. Ah, on est en bas, ok. Voilà, merci. Là, je le fais pour eux hein, parce que en fait moi j'ai déjà récupéré et comme ça ils peuvent choper le bonus. Déjà? Ok. Bon, on s'est fait tout à l'heure. On va regarder 10 fois. Non plus. Bon, là, vu que j'ai pas participé activement à la lutte, c'est un peu logique. Hop.
Je leur ai ouvert des portes. Hop là. Brick, Holcim et Yattle. Mais tu veux des pièces carrées? Non plus. Voilà une petite pièce carrée. C'est pour moi. Toujours du mal à récupérer les... Y. À faire les contours. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Il y a peut-être une qui traîne par terre là. Oui. C'est pour ça que je joue pas Super Mario. Une cata. Enfin, je vais tenter Rayman. Non, c'était je sais plus quel jeu de course prochainement, mais. Mais ouais, les Super Mario et autres, c'est une cata. Allez, hop là, bonjour, pour l'étude de la construction. Alors, deux briques grises. Yes! J'ai enfin le vaisseau complet. Il y avait du gris ici ou pas? Juste histoire de dire que je le fais. C'est du bleu, c'est du noir. C'est du noir. Ok, et là c'est du blanc. Moins de du blanc ça. Hop. Et là c'est du noir. Bon, allons faire un peu de baston. Voir si j'y arrive. Ah, du gris. Est-ce que ça lui conviendra? Oui. Dans ce cas-là, je vais peut-être pêcher. Quand même un coup ou deux pour voir. Non, une boisson. Ouais, bon, tant pis. Allez, on a dit 25 ennemis, ça c'était à refaire après. Course et combattants dans l'hippodrome. Allons faire un tour à l'hippodrome. Ah bah non, c'est du gris aussi. Non, sérieux? Trop tard.
pas. Alors, véhicule avec un Y-Wing. Je vais faire le Y-Wing. Tout de suite. Par les astéroïdes. Pas trop hard, ça peut le faire. Ouais, les astéroïdes. Le Y-Wing, je sais plus quel c'est. C'était celui-là. Hein. Alors lui j'aime bien parce qu'en fait il a le canon qui suit les ennemis. Donc si on est à peu près positionné correctement, il peut cibler tout seul. Voilà, alors là il tire tout seul. Ici, je tire une bombe, il les tire dans. Ce sont des têtes chercheuses. Oh, boum. Ça, c'est hyper pratique. Encore plus quand il est suivi. Après, il faut se recharger, mais ça, c'est une autre histoire. Ça sert à rien que je le prenne, tant pis. Hop. Il y a des trucs à choper derrière certains météores. Faut pas hésiter à les détruire. Ça fait comme une balade de santé. Presque. Faut juste pas s'endormir avec le truc sur le bidon. Et tirer de temps en temps quand même à la main, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. C'est ce qui s'appelle faire un bon trajet. Aïe. Ouh. Je me suis pété le genou sur le pédalier. Le pédalier. La pédale de vitesse. Alors, ça c'est bon, donc de la baston. Allons voir s'il y a du monde dans l'hippodrome.
essayer celui-là. Hop. Par contre, j'ai réactivé le bonus vitesse. Parce que pour les combats à plusieurs, enfin contre les autres, très utile. Les escaliers, ça rend pas le pied. Hein. Voilà, soit sur lui. En bataille. Alors, on va tenter le champ de bataille du transport rebelle. Y a-t-il des gens à tuer? D'autres joueurs contre lesquels se battre? On est trois, c'est bien. C'est ce qu'il me fallait. Normalement, je dois récupérer 5, enfin, 5 combattants contre moi. Quasiment infaisable contre des Jedi. Même en l'étant soi-même. J'ai plus assez de pratique, je sais pas quels sont les mouvements qu'il faut faire pour y arriver. Mais je trouverai un nouveau. Je trouverai. Hop. Et par contre, c'est bien que je m'acharne pas contre lui. C'est vache quand même. C'est lui qui va m'avoir.
Ok, nouvelle. Ouais, faisons une trêve ou je meurs. Mais Et lui aussi d'ailleurs, apparemment. Bon, ok pour le transport rebelle, on va faire l'autre pour voir. Si j'aurais plus de chance. Là, je suis toute seule, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, l'avantage c'est qu'on bute des méchants. Et qu'on peut se prendre une bombe extérieure. On peut tomber aussi. Alors c'est idéal pour tester les armes. Armes et mouvements. Celui-là il est génial. Parce que on peut se faire buter toutes les 2 secondes. Et au bout d'un certain temps, on pète toutes les barrières et donc on peut glisser. Et toujours personne d'autre. Bon, tant pis. Je vais me laisser tuer. Une fois arrivé à 100, hein, parce que c'est pas exagéré. Ça sert à quelque chose quand même. Je suis plus seul, là ça c'est bien intéressant.
Donc il sait. Oh. Voilà, je vais sans marque. Ah oui, alors lui, la bombe incendiaire. Est-ce que je retente? Il est tout seul. Non. Allez, on va abandonner ça. Sur le principe, ça m'agace en fait de devoir buter les autres joueurs. Mais bon, ça fait partie du jeu, mais ça me gonfle. Donc 3 bris jaunes, 25 ennemis. Ah, il me l'a comptabilisé cette fois-ci. J'étais monté à 3 hier. Ouais, bon, passons. 3 briques jaunes. On va tenter ça. Ah si, je passais par là, tiens. Sur l'autre partie de l'île. Petite balade. Faire tout le tour, c'est un peu gonflant par contre. Parce qu'il y a des obstacles. Ah ben voilà, il y a des jaunes ici, c'est bien. On va faire plaisir à RST29. Hop là. Boum. Sans que ça prenne trop de temps. Alors, je suis pas mieux pour négocier les virages à pied que quoi que. Ah. Voilà. Bien. Bla bla bla. Alors, Palais de Jabba. Palais de Jabba, 25 ennemis habités. C'est parti. Sauf si quelqu'un m'invite sur le Palais de Jabba, évidemment. Alors, seul ou à plusieurs? Probablement seul.
2, oui. Coucou monsieur. Il est parti pour tout casser. Oh. Alors, ce qui est bien, c'est que sur les missions en fait que font les coéquipiers compte aussi. Donc on peut faire des trucs à plusieurs. Hop là. Ici, c'est celui-là que je relâche, c'est la relevée et c'est Raiton, oui. Voilà. Et à devoir passer son temps à tout casser. Autant le laisser faire. Et de rien. Quand même, hein, faut pas exagérer. Alors cette vue est sympa, mais j'ai toujours l'impression que je vais aller foncer dans le tas. Il est parti ou pas? Oui, il a quitté le jeu. Ok, bon, je vais continuer tranquillou. Hein. On avait quoi à faire? Les deux nœuds. Le sim, d'accord. J'ai récupéré des points. Ce qui est marrant, c'est quand on est Jedi, on peut la récupérer celui qui est là. Parce qu'il faut sauter au-dessus des flammes.
Là, c'est le truc qui sert à rien, mais... Mais voilà quoi. En 4 coups, bien. Efficace, cette fois-ci. Ce qui m'éclate, c'est le détail. Le petit squelette, là. Je sais pas s'ils les font en Lego. Allez, hop. Ouais, faudrait que je regarde s'ils les font. C'est très marrant. L'attaque des squelettes. Le dernier niveau pour ce niveau-là. Java, c'est bon, les 25 amis dans l'observatoire, c'est bon. Course de signe de l'observatoire sans perdre, fastoche, récupérer 3 briques rondes. On va pouvoir trouver ça. Alors, et là, il y a. Qu'est-ce que je fous là, moi? C'est pas là que je voulais aller. Non, non. Ah, du poisson, Burke. Mais des briques. Alors de temps en temps, il y en a déjà là. Là, évidemment, c'est pas le cas. Bon, ça va, il y en a plusieurs ici. Je vais pouvoir le faire vite. Oh, c'est pour moi. Tac, tac, tac. Il y a quel niveau, lui? 125, d'accord. Heureusement qu'on peut pas se battre pour les récupérer. Hop là. Et la dernière. Naconaconaire. Voilà. Les cheveux de jeune parieur. Ils doivent pas pouvoir dire Lando Calrissian. Donc, 10 chasseurs TIE. De Holosim. Juste pour rigoler, je vais secouer l'arbre qui est là parce que
M'intrigue. Ah non, on peut pas. Celui-là, on peut pas, c'est vrai. Bon. Chasseur TIE. J'ai fait ou j'ai pas fait celui-là, je sais plus. C'est celui-là que j'ai. Dans la structure, on a fait, donc j'ai déjà dû faire l'autre. Chasseur TIE, on se fiche avec lequel, donc on va se le faire celui-là. Oh, lui, tiens. Bombe tourelle, ouais, je l'ai bien. Petit bombe tourelle efficace. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds de l'extérieur comme ça. J'ai été plus rapide. D'un coup tu m'étonnes. Non, c'est l'efficacité. Hop là. Oups. Bon, là, je me suis fait avoir. Là. Ouais.
canon laser fonctionnel. Oh bah oui, sûrement. Sûrement que tu trouveras des canons laser fonctionnels, mon petit gars. Mais tu bouges pas de là. Nous laisse faire le sale boulot. Donc Holosim, plateforme d'Andorre 2 fois, 2 Holosim de l'observatoire sans perdre. Ouais. Allez, hop. Go Andorre. J'avais pas ce réflexe avant. Des bonus pour acheter de la boisson. Où va-t-on? Aïe 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 aïe. Il y a du monde quand même ce soir. L'autre côté. Les nouvelles missions, c'est le lundi matin. On est lundi soir. Andorre, c'est celui-là, c'est parti. En public. Donc je dois le faire 2 fois sans perdre. Bien, nœud de corruption. Ouais, on récupère les points au passage, hein, parce que faut pas pousser. On n'est pas là juste pour récupérer des nœuds de corruption à exploser. Quoique. Hop là. Viens, viens, viens un peu. Alors, je peux pas rater. Viens, mort, viens, mort. Oh. Hop. Bon, et devant, on va pas s'éterniser. Ou si. Non. Ouais, je sais pas. Je vais y retourner tout de suite. Juste récupérer des points quand même, sur le terrain. Youhou! Youhou! Sans se faire buter, ce serait mieux quand même. Bon, et ben c'est parti. Et de 1. On sait pas où il atterrit l'autre. Hein. Bon, j'ai jusqu'à 2000 points aujourd'hui. On va l'atteindre le niveau 15. Alors, Andorre, deuxième fois. Je vérifie juste qu'il me l'a comptabilisé au moins une. C'est bon, c'est bon. Hop.
Let's go. Bon, bah, même chose, hein. Allez, on va récupérer ça. Alors, c'est pas ici. Il est où le suivant? Voilà, c'est plus pour le fun. Hein. Je peux parler de fun ici, mais. Oui, c'est en bas. Que ça le ferait, mais non. Tant pis. Allez, montre-toi. Boum, boum. Voilà. Mission accomplie, x2. Ce qui est bien, c'est que c'est des potes. Bon, après, est-ce que l'intérêt est là? C'est une autre histoire. Enfin, s'ils rajoutent un niveau, un tableau, un nouveau jeu tous les 3 mois, 3-6 mois, c'est correct. Ça rend le jeu un peu plus... Même s'il y a des trucs redondants, ça reste jouable. Oh là, battre Vador dans une holocine de l'observatoire. Bah ça tombe bien, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Dommage qu'il le garde pas. Donc, étoile de la mort de foi, Vador, machin. Pour choper Vador. On le trouve souvent sur Andorre, mais sur la plateforme du haut quand on a plusieurs trucs. Ou de temps en temps sur les autres, mais très aléatoirement. Saleté. Voilà, on dit quoi? Vador, Holocine, étoile de la mort, 2 fois. Allez, va pour l'étoile de la mort. Histoire d'avancer sur mes niveaux. On va le faire en B-Wing. Non, j'aime bien celui-là. Allez, hop. Ah ouais. Je suis allé chez le kiné tout à l'heure pour la main.
J'ai l'impression d'être rouillé. Hop là. Alors j'espère par contre qu'il ne demande pas ce qu'on le fasse sans se faire buter. Voilà. Typiquement. Typiquement. Vive le tir automatique. J'aurais pu expliquer exploser, mais non. Et là où je me prends un truc qui m'explose la gueule. Voilà, j'ai plus rien. Hurra! Je vois rien, je suis vivant. Sur la fin en plus, la triche. Heureusement que la contrainte n'était pas de le faire sans mourir. Ouh. Je vais t'exploser la tronche en bombardier, moi, tu vas voir. Aïe. Non.
Je suis en tir manuel. Hein. Ah oui, c'était le bouclier, j'avais. J'ai pas utilisé tout à l'heure, tiens. J'aurais dû. Alors, hop là. Ici la tête chercheuse plutôt. Alors, si je mettais à viser tout, ce serait mieux quand même. Normalement, il me dépasse. Oui, je vais pas se tromper. Voilà. Oh, le bonus. N'importe quoi. J'aime bien ce truc, tiens. Bon, j'ai pas réussi sans m'exploser la croche contre les murs quand même. Hein. Dommage. Dommage. Pas mieux une autre fois. Tam, 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 tam. Oh, quand même. Pas mal. Donc va dans machin, les briques jaunes, on va faire les briques jaunes. Hein. Des fois, je me prends pour Bernadette Chirac. Ah tiens, ça fera un bon costume pour Halloween, ça. Pour ramasser des briques jaunes sur Castaways. Castaways, les briques jaunes. Qui n'a pas donné toutes ces briques jaunes de son portefeuille en passant par le train de la SNCF. Le TGV des briques jaunes. Là, là, là. Là, là. Pas le chemin le plus court là. N'importe quoi. Le monsieur il dit des conneries et puis du coup il se trompe le chemin. Telle n'est pas la voie. Il y en a d'autres là, non.
Hop là. Allez, de la briquette jaune. Bon, j'ai encore l'accélérateur sur la marche, donc ça va. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se marcher dessus. Je trouve ça assez pratique, globalement. Ça, c'est Star Wars. Je me suis trompé. Voilà la briquette jaune. Et là, je crois que je suis sur l'homme qui... Oh, mais... Les créneaux, c'est pas mon truc non plus, hein. Faudra pas chercher. Et le 3. Allez, on va recouer le cocotier. Non, tant pis. Hop. Ce qui est bien, c'est que les parasols sont assez solides pour qu'on puisse leur foncer dessus avec un vaisseau. Allez, un morceau de TIE. Bon, l'avantage, c'est que même la pêche rajoute des points à un moment ou à un autre. En gros, toutes les actions font l'objet de missions et de bonus à droite à gauche qu'ils ont rajouté au fil des versions. Voilà. Suivons le littoral. Bon, il n'y a plus d'énergie le pauvre. Laisse le faire à pied. Boum. Boum. Boum, c'est moi le premier. Boum. Yes! Heureusement, on n'a pas une file d'attente. Très marrant qu'on soit obligé de se mettre en file d'attente pour lui parler. Il a l'air sympa le vaisseau quand même, comme ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous faut après? On a terminé. Ok. Donc, plus que Vador à trouver et à battre. Et ces histoires de combattants à faire plusieurs fois. Alors, le nombre de points, trucs qui sont en bas de l'écran, c'est le nombre de fois il faut l'atteindre dans le jeu. Jusqu'à ce qu'il rajoute une série d'étapes correspondantes. Donc, il faut que je trouve Vador. 22 h. La machine à laver tourne. Je m'occupe encore quelques minutes. Voilà, il faut que j'aille manger, je sais pas trop. Quoique, allons faire un tour dans l'hippodrome quand même. Au cas où il y ait des gens avec un niveau faible. Parce que fort, c'est trop compliqué. Oui, je sais. Sarlacc, c'est marrant. Il y a du vent. Ah, c'est marrant. Quand on arrive à résister au vent, faut pas tomber dans le gouffre ou à l'extérieur. Et on est trois, ça tombe bien. Bon, l'avantage, c'est que les bonus réapparaissent assez vite. Il y a beaucoup d'ennemis, par contre.
Et de dos. J'arrive à pas tomber. Tu me le comptabilises ou pas? Ouais. Il m'a eu avant, il est mort après. Destruction assurée, oui. Bon. Non, je veux pas tomber. Notez que sinon on peut se faire bouffer. Oui, bon, je dis ça, mais c'est pas, c'est l'occasion de le faire aussi. Hein. Hop. Ne jamais traîner trop près du bord. Oui, ni sur la falaise. Ah, il les comptabilise pas une fois. D'accord, c'est plus facile. Non, je suis mort. Lui aussi, je pense. Non, non. Bon, bah ça va si c'est 5 d'affilée. Plus facile. Voilà. Hop là, bonus. Pour pouvoir avancer. Hop là. Je crois que je me suis fait bouffer une fois par Sarlacc. C'est pas beau à voir. On tombe dans le truc, il nous massacre avec son machin là. Bon, je vais plus le combattre. Je vais me contenter d'essayer de récupérer des points. Et je m'arrête à 100. Bah, tant pis, hein. Voilà. Ah, tant pis.
J'aurais fait ma mission. Il y a eu. Monsieur Péhu. Pas pourquoi j'avais compris, c'était 5 d'affilée. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, allez, hop. Voilà. Je me suis fait bouffer par le Sarlacc. Il aime bien les Stormtroopers, apparemment. Yep, suivant. Et donc, quitter. Pas rejouer, merci. Le repositionnement automatique est agaçant. Yum. Alors, il reste donc Vador dans les Holosim. Et quoi d'autre? Des ennemis corrompus dans les matchs de survie. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein encore à droite là. Match de survie, bah, faisons un match de survie. Hein. Ouais. Donc les corrompus, c'est les rouges. Coucou les méchants, je suis là. Ah. Voilà, avant que ça se reconstruise, profitons-en. Ils ont l'air à peu près intelligents. Enfin, si je puis dire. Reconstruis-toi. Non. Notez la cascade, hein, au passage. Thank you.
Oui, parce qu'en plus on peut se faire attaquer par des vaisseaux. Hein. On peut se prendre des bombes dans la gueule. Là je meurs. Ce fut un beau combat. Soixante-sept, quand même pas mal. Beau score, je trouve. Allez, 2000? Non. Il se fout de ma gueule. Il se fout de moi. Part. Sérieux. Franchement. Un point du niveau 15. Mais je veux l'avoir. Je vais l'avoir le niveau 15. Je vais l'avoir. Tête, 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 tête. Poum, poum, poum. Voilà. Match de survie en tant qu'adepte de la force. Ok. Donc j'ai Vador ou ça. La course, j'essaye même pas. Ça me saoule, il n'y a pas assez de joueurs. Donc. Enfin, je pense qu'on est toujours tout aussi démotivé par cette partie de course là qui est un peu gonflante. Donc. Vador dans le Holosim ou. Un match en tant qu'adepte de la... Oh bah si, allez hop. Survie. Allez, le spatioport. En public. Je change de classe. En tant qu'adepte de la force. En super pouvoir, on va prendre le lancer de sabre. Qui dans un cas où il y a plein d'ennemis, c'est quand même plus pratique. Hop là, je suis sélectionné, c'est bon, on peut y aller. Ah non, ça bouge plus du tout. Bon. J'arrête la manette de jeu pour ce soir. J'ai la main qui bouge plus. Mes doigts sont figés. Donc, allons-y. Alors, hop. Ouais, je sais plus comment on faisait les mouvements, mais c'est pas grave. Allez, hop. Problème, c'est qu'il faudrait que j'utilise le deuxième joystick pour orienter les coups de sabre et j'arrive pas. Donc c'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc là, évidemment, je suis au niveau max, donc ça sert à rien en termes de points.
180 secondes dans un match à l'hippodrome. Oh, bah facile ça. On va essayer quoi? Celui-là. Plus simple. Je repasse à Jean histoire de me récupérer mon point qui me manque pour avoir le fusil. J'espère que je pourrai coder demain, moi. Alors, j'ai 3 minutes à tenir. C'est parti. Sauf qu'on est 3 par contre. Compliqué que ça, j'aurais dû tuer là. J'ai mis 2000 points par contre. Voilà, hein. Je vais me flinguer. L'ordre. Il va se faire avoir tout de suite en plus. Ouais. Niac. Donc je sais pas combien de temps j'ai tenu. Mais pas 3 minutes à mon avis. Non. Bon, on va sortir pour voir si j'ai le point. Au moins pour récupérer mes points d'agent. Ah mais non! Pas sortir comme ça, t'es gentil. Ah, est-ce qu'il m'a perdu les points ou pas? Décidément. J'arrive à tous les planter en fait. Une catastrophe.
Oui, je sais, t'as un bug, un crash log. Alors, Lego Star Wars, ouais. Il plante où? Alors, réfléchissons. N'empêche, la log, elle est un peu grosse, hein. Ça, je sais pas ce qu'ils en feront, mais... Ethernet, machin... Même regarder un truc. C'est quoi comme type de crash? Crash serait dispatch queue... Ouais, bon. Il a planté, on va dire. Alors, hop, est-ce que j'ai récupéré mes points ou pas? 224. Ou est-ce que j'ai tout perdu? Pom, 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 pom. Oui, il les avait comptabilisés, c'est bon. Je peux aller récupérer mon arme. Non, merci. Ouais, par contre, évidemment. Y. Non, pas sur le site. Je suis sorti du banc. Non. Non. Oui. Voilà. Bon, j'ai laissé ce truc-là disparaître parce que ça m'agace. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fenêtre qui s'ouvre, on a un truc par-dessus qui rend l'opacité un peu plus importante. Sérieusement. Je sais pas comment ce bug peut exister. Le problème, c'est que si je fais un bac de trop, je peux perdre le truc sur lequel j'étais. Alors, ou la validation hein, de trop, parce qu'évidemment, hop. Donc là, c'est bon. Ici, qu'est-ce que j'ai? Hop, hop. Non. Niveau max en planquage, c'est fait. Donc j'ai pas fait les 180 secondes, je suis resté jusqu'à combien? Ouais non. Ok, donc on va retenter l'hippodrome. Avec le fusil cette fois-ci, puisque j'ai atteint mon fusil. De Wookie. Avec un peu de bol. Donc on est sur le champ de bataille. Je vais changer. Dégage. Hop. Je vais changer mon arme. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble en termes d'usage. J'en ai pas vu beaucoup s'en servir. Je sais pas si mes habitudes de tir seront efficaces. Je suis parti pour me perdre. Clairement. Ou alors je me cache pendant 3 minutes. Non, ça marche pas. Avec le tir automatique, ça ne peut pas marcher. Est-ce que je peux tenir 3 minutes avec d'autres joueurs qui me tirent dessus? Ou est-ce que je triche et je le fais sur un terrain où il n'y a personne? Allez, hop, je veux juste le bonus. Parce que le côté baston. Sur une nouvelle arme, je sens pas. Alors, il faut que je remette en Jedi. Hop. Donc, ça. Ouais, allez. Hop, revenons sur Sarlacc. Il y a plein d'ennemis, il y a du vent. Ça peut être fun. Et il y a quand même encore quelqu'un sur place. Hop. A l'air de zébrouiller. Le bien, c'est qu'il y a suffisamment de bonus pour pouvoir arriver à supporter le truc. Efficace par contre. Hein.
Oh, 1 minute, ça va. Ça irait. Ça irait mieux aussi. Oh, il y a des méchants qui se sont fait exploser la tronche pour le sarlac. Une fois que j'aurais fait les... Ouais. Oh non! Merde! J'étais presque. Hein. Je choisis pas le niveau le plus simple en plus, mais... Allez. Et il a tenu, hein? Il a 130. Il se rapproche de moi par contre. Que je reste trop proche du truc, moi. Bon, encore 50 secondes à tenir. Pour faire trop de conneries, ça devrait aller. Peut-être. Hop, 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 hop. Sauf si le vent me pousse vers l'extérieur. Je tenir 20 secondes. Quatre secondes. Une seconde.